curieuse affaire, excusez-moi du petit épisode écourté de la dernière fois. Déjà, je devrais avoir une session de 4 heures à pouvoir jouer au peinard. Moi j'espère, pour la vache ça rate. Alors, j'étais en train de me promener avec mes camarades. Je farfouillais les enfers en fait. Je farfouillais les enfers. La dépouille. Non. Oh. Attends, attends, ça me donne. Tant pis. Ah, ouais. C'est pas pour ce que ça va me rapporter. Longtemps.
Ils m'ont perdu. Victoire écrasante pour les noms des dieux. Oui, en contrebas, non? On va faire appel de l'ascenseur quand même. C'est le zouk, c'est le bazar, c'est Roger.
m'étonne qu'il a perdu connaissance, il a fait une chute mortelle, le pauvre. Allons au temple du maître des nuages. Je n'ai pas eu une seule vraie nuit de sommeil depuis que Gvatch a été attaqué. Eh ben, t'es pas prêt d'en avoir une. Plus vite nous arriverons au temple du maître des nuages, mieux ce sera. Passez devant. Non, Morpho, tu restes avec moi, tu es un excellent compagnon de maître. Vous êtes d'excellents compagnons de maître. Thank you.
Fausse bonne idée, comme on dit. Là, j'ai un con. Dans la lave, hein. Aïe aïe aïe.
Ah oui, il se détend. Un bon bain chaud. Oh la vache. Non, ce qui est génial, c'est les murs. Les murs aident à la magie. Ça, c'est ça. Ouais, c'est ça.
partait le fly. En tant que l'âme, ma place est aux côtés de Martin. Et c'est très bien. Le prince des draps de la destruction, éternel ennemi de toute forme humaine. Il était impliqué dans le complot de Jagar Tarn contre l'Empire, il y a plusieurs années. Je ne suis pas étonné de le voir impliqué dans ce désastre. Nous devons nous dépêcher. Je ne serai pas tranquille tant que Martin ne sera pas en sécurité au temple du maître des nuages. Passer par là. J'arrive à voir ma foi. Là, je ne vois rien, mon Dieu. Ah!
plus. Attends. Non, c'est plus la lumière là, qui me fait la visée nocturne. Oui, je les avais bien finis, mais... Là, normalement, on n'a pas d'accès à ce serveur. Lisa! Mon cheval à moi, il est où? Ouais. Attends. Ça, c'est pas bien. Pas bien. J'entends pas la robe. Il est beau! Il est beau ton cheval. Mais le mien, il est où? Rendez-moi mon cheval. Ouais. Oui, tiens. Hop. Magie du démon, je vois tout. Où est mon cheval? C'est ton cheval. Et le mien il est où? Oh, oh, oh. Ouais, avec mon cheval. Ouh, mon cheval. Attends, il y a un fort tout proche à mon avis, on va se le faire. Là, il y a un truc qui crame, je sais pas ce que c'est. Merde alors. Mon cheval. Bah. Quand je suis rentré dans la porte d'Oblivion jadis, j'avais mis le cheval. Oula, non. Oh, mince. Il a pas de si les chevaux sont là. Ah! Il y a un cheval. Dis-moi que c'est le mien. Oui! C'est mon cheval! Oh! Mais je suis heureux de te retrouver, brave bête! Tiens, on va se faire un fort. Allez, go! Ouais, c'est peut-être un fort sur la route, d'ailleurs, je suis du coup. Quoi? Fort sans, non? J'ai déjà fait ici, non? Non.
Suis-je déjà entré en ces lieux? Ah, mais oui, j'ai déjà fait il y a longtemps. Ah oui, j'ai déjà fait. Tu m'étonnes. Oui, il va commencer à faire jour, il est 6h du matin. Mais non, je vais pas attendre. Alors attends. Je suis perdu. Où sommes-nous? Ah. J'ai même plus. Faut qu'on fasse quoi? Ah oui, il faut qu'on aille au prieuré de... Oui. Ah, puis il y a mon fameux château au bout de la route. C'est vrai. Eh ben, allons-y. Oui, bah oui. Donc du coup, ils m'ont suivi ou pas? Oh, you. Petit, bien mérité en plus, un petit somme. Passe la porte. Oh, les filles avant nous là. Oui. Assistance. Eh bien. Normalement, je ne fourre pas mon nez dans les affaires de ceux qui passent dans le prieuré de Wainon pour venir voir Maître Joffre. Mais prenez donc ce marteau. Vous en aurez peut-être besoin et j'en ai d'autres. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire pour un forgeron ici. Ah ouais? Bon, nous avons tous les deux mieux à faire que d'échanger des racontaires à longueur de journée. Au revoir. Oh, c'est toujours sympa. Merci. C'est cool, j'apprécie. Bon, ils m'ont suivi ou quoi? Je comprends plus, là. J'ai l'impression qu'ils ne m'ont pas suivi.
rester à la porte de Bouillonne. Enfin, je comprends plus là. C'est moi ou j'ai bugué? Eh ben dis donc, je sais pas ce qui vous a pris. Allons au temple du maître des nuages. Je n'ai pas eu une seule vraie nuit de sommeil depuis que Kvatch a été attaqué. C'est pas comme si on était. Plus vite nous arriverons au temple du maître des nuages, mieux ce sera. Passez devant. En fait, on est revenu à notre point de départ. J'ai une seule de pigé, ok. Je suis dans la confusion là, ça va pas. Ok, donc point de départ, ok. Oh le bordel! J'espère que la quête est pas buggée. Ah bah on va prendre le passage sous le tunnel, allez hop. Mais oui, mais non, mais oh, c'est quoi ce bouchon là? Oh, mais il nous fait un moonwalk avec son cheval. Non mais là t'abuses là. Allez, pousse-toi de là. Ah, mais le qui y a-t-il? Non mais pardon le forgeron, mais tu vois pas qu'il y a un bouchon dans le tunnel? Oh là là, c'est n'importe quoi. Bon allez, go. Ah mon dieu, le feu de camp. J'ai failli l'enverser. Joli, merci. Oh bah c'est sympa, il m'a battu tout le travail. Oh cette posture. C'était un brigand. Est-ce que je peux plus lire là? Mais oui que je peux. Trop stylé. Je vous le dis, c'est trop stylé. Voilà. Oh, encore un peu cher. Un très peu cher. Ouais. Aussi, je vais s'en charger un peu. Hein. Aujourd'hui. Allez, amusez-vous. Un bon gigot de sanglier. Ah, vous êtes fort, vous êtes fortiche. J'adore. Oh, 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 la lame qui est ensanglantée. Attends, c'est frère Jean qui a laissé son cheval là-bas. Oh, là, là, vous êtes mous, les gars, vous êtes mous.
Attends, on va attendre. Surtout, prends tout ton temps. Ouais, oh. Vous êtes là. évidemment, il piétine la dépouille du sanglier. Ah bah bravo, je vous félicite pas, c'est du propre. Bon, allez, on y va. Ça m'intrigue, cet endroit. Minute papillon. C'est beau. Très très beau. On dirait un tableau. Ah, t'es une couche. Ah, tu fais un canon pour cheval, là, dis-moi. Tu verras si ton cheval est cracra, tu peux. Bon, alors, c'est pas tout cracra, tu vois. Oula, je t'ai fait pas encore brouiller, là. Il est en galère. Quelle idée d'avoir flanqué son cheval là-dedans, là. Ouais, c'est bien, il s'en sort. Nous faisons n'importe quoi, tout va bien. Alors, sur la carte, on a... Ah, oh, merde, on a passé à la caverne du repos de l'ombre. Et là, j'ai une grotte de brume claire. Ah, oh, bah tiens, on va faire un petit... On va faire un petit plaisir pillage. Allez, c'est la fête. Faut que vous plagiez. J'ai la maison du Cléophre. Allez, je suis déchaîné. Allez. Bouge bouge ton boule, di-di-da-di-do, bouge bouge ton boule, di-di-do-di-do, bouge bouge ton boule, oh toi, c'est moche. Attends de ma vie, trop. Alors peut-être que je regarde, j'ai peut-être pas la bonne arme. Déjà je vais me mettre en... Cinq, neuf, onze. Oui, bah autant prendre l'épée de la main. Oula, il est en train de charger. Alors. Voilà. C'était quoi ça? Oh merde! Du truc, toi. Attends, je vais me faire regain de santé. Et surtout les copains, mais je vais pas. Hein. En fait, d'ailleurs, faut que j'aurais fait un truc très bête. J'ai quoi comme parchemin. Pierre d'âme. Enfin, pierre d'âme. Gemme spirituelle, oui, j'en ai plein là. Ordinaire, aucun. Je peux peut-être essayer de capturer le machin là. Excellente opération. Mince, pardon. Que je fais des bêtises, pour pas dire autre chose. Oh, yeah. Pum, 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 pum.
Ah bah faut que je récolte la graisse de troll. Ça va être bien. C'est un feu follet. Ah, ah cool. Surtout ne suivez pas les copains. Ah là là. Allez, on va s'amuser. Ah mais ils sont pas avec moi les salauds. Pardon. Alors attends, j'ai visité ici ou pas? Ouais. Oh non, j'ai déjà fait. Je suis tristesse. J'ai déjà fait ce temps. Seulement maintenant que vous vous pointez, vous n'avez pas honte. J'ai tout fait moi-même. J'aime bien ce cadre, je Lèche des airs fait. Oh là là, correction. J'ai déjà fait ou pas? Ah oui, j'ai déjà fait aussi. Oh merde, j'ai fait plus d'exploration que je ne pensais. Oh. J'ai l'impression que je vais faire le tour de Oblivion plus vite que prévu. Tiens, je vais faire la cueillette pendant qu'ils me rejoignent. Et je pense que je les ai devancés. Mon cheval a un meilleur galop que le leur, j'ai l'impression. Non? Oula, excusez-moi, je vais pousser mon cheval. Parlez. Non, mais excusez-moi, c'est ma faute. Oh, oh, cette vue! Oh là là! Mince, je vais ramasser des végétaux là, mais. Alors mes copains ils arrivent ou pas là? Oh là là, regardez-moi cette vue. Oh là là, ça te donne envie d'arriver à façon vol d'oiseau dans la cité impériale. Trop stylé. On va faire la même chose dans Minecraft. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont déjà fait en plus. Ah là 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 là.
Mais attends, j'embauche chemin parce que j'ai pas l'impression qu'ils me suivent. Je suis en train de tiquer là. Je les ai attendus un bon bout de temps, j'ai fait un brin de cueillette, mais. Alors, vous faites quoi les garçons? Merde, je suis allé trop vite pour vous. Putain, je raconte plus le soldat. C'est pas vrai. Oh là 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 là. À ce rythme-là, on y est encore hein, dans le mois prochain. Non mais c'est une blague. J'ai pas le droit d'y aller au galop, il va falloir que j'y aille. Et encore le galop, j'aurais bien retenu. Enfin que j'y aille au pas, mais vous êtes sérieux. Mais non, mais ça c'est un autre garde. Mais vous êtes où les mecs? On s'est perdu depuis le temps de la Lanois là. Oh mais mince. Mais c'est pas vrai. Et où est-ce qu'ils sont? C'est pas possible. Oh, vous êtes où? Ah! Ah, vous là! On va y aller tout doux, hein. Non, je peux pas, c'est trop loin. Bon, on y va par petit à coup. 3. Là, vous arrivez à suivre. Vous arrivez à suivre. Là. Hop là, tiens l'herbe. Le cheval pourrait prendre le plus beau. Allez, tout est beau. Ah oui, et là ça coince. Ah. Enfin. On passe le pont. Je vais. Je me répète, mais je veux la même chose en Minecraft. Très bien. Carte de pomme, la croque pierre boréale, ouais. Oh, nous allons, mais on y va. Montagne de Gérald. Je me suis. Ouais. Ah. Oh, je dis. Ha ha ha. Oh, le chasseur, toi, trop fort. Bah alors. Gilet.
Ah ouais. Bah en fait on est tout proche du temple. On est tout proche du temple. On y arrivera juste pour la nuit. Nickel. De rituel, mais c'est ça en fait. C'est ça. Oui, il arrive à suivre, mais c'est parfait. C'est parfait. Disparu. La petite perdu en cours de route. Youhou. Ouvrez les portes s'il vous plaît. Comment c'est impossible? Vous pouvez expliquer? Allons au temple du maître des nuages. Je n'ai pas eu une seule vraie nuit de sommeil depuis que Kvatch a été attaqué. Ah, nous y sommes. Plus vite nous arriverons au temple du maître des nuages, mieux ce sera. Passez devant. Comment il parle avec le crépuscule en arrière-plan, c'est trop stylé. Oh là là, c'est vertigineux. On peut nous ouvrir. Toc toc, ding dong, elle est où la sonnette? Oh, charbon a remonté. Peut-être passer sur le côté. Attendez, je regarde un truc. Non, ça a l'air mort. Non, mais t'aurais dû rester dans la porte avec ton cheval. Là. Il est fou, pas mort, il est fou. C'est Bruma. J'ai stylé. Je vous fais confiance. En tant que lame, ma place est aux côtés de Martin. Bah oui, je sais bien. Le temple du maître des nuages a été construit il y a très longtemps par les fondateurs des lames, du temps de Rayman Cyrodiil. Il est tout en haut dans les montagnes, près de Bruma. C'est notre ancienne forteresse, notre sanctuaire, le refuge de la dernière chance. Martin sera en sécurité là-bas. Que Talos vous guide, mon ami. Ah, ça y est, on peut. Oh mon Dieu. Grand maître, est-ce? Oui, Cyrus. Voici le fils de l'empereur, Martin Septime. Seigneur, bienvenue au temple du maître des nuages. Nous n'avons pas eu l'honneur de recevoir l'empereur depuis bien des années. Ah ? Eh bien, merci. Tout l'honneur est pour moi. Venez, vos lames attendent pour vous saluer. On y va. Moi je suis chié, hein. Je monte avec mon cheval dans les escaliers. Voilà, je me la pète. Voilà, ça c'est fait. Mon cheval il va attendre là. Il sera à l'abri du vent. Très bien. Par contre, il n'y a pas grand chose à bloquer de quoi. Mais surtout, fermez pas la porte. N'importe qui peut rentrer. Ouais. Donc vous êtes sérieux, les gens? Lame, l'heure est grave. L'empereur et ses fils ont été assassinés pendant notre quart. L'Empire a été plongé dans le chaos. Mais ne perdons pas espoir. Voici Martin Septime, fils légitime d'Uriel Septime. Gloire à Martin Septime. Bonjour. Gloire à lui. Votre Altesse, les lames sont à vos ordres. Ici, vous serez en sécurité jusqu'à votre accession au trône. Joffre, vous tous,
Je sais que vous attendez de moi que je sois votre empereur. Je ferai de mon mieux. Mais tout ceci est nouveau pour moi. Je n'ai pas l'habitude des discours. Mais je vous suis reconnaissant de m'avoir si bien accueilli parmi vous. J'espère que dans les jours qui viennent, je saurai me montrer digne de la loyauté que vous me montrez. Voilà. Merci. Vous n'êtes pas du genre bavard, hein? Non. Ça n'a pas eu l'air de les déranger, remarquez. Les lames qui me saluent et m'acclament en m'appelant Martin Septime. Ne me prenez pas pour un ingrat. Je sais que sans votre aide, je ne serai plus en vie à l'heure qu'il est. Merci. Mais soudain, tout le monde attend de moi que je sache exactement ce qu'il faut faire et comment je dois me comporter. Ils veulent tous un empereur qui va leur dire quoi faire. Je n'en ai pas la moindre idée. Oui, nous devons déjà reprendre l'amulette. Bien entendu, l'amulette des rois. Alors, je peux la porter au temple de l'Unique et allumer les feux de dragon et arrêter l'invasion en provenance d'Oblivion. Et vous deviendrez empereur. Empereur. Il va falloir que je m'y habitue. De toute façon, il faut d'abord récupérer l'amulette. Joffre saura peut-être par où commencer. L'amulette des rois. Tous ceux qui pratiquent la magie d'Edric connaissent la barrière quasiment impénétrable qui sépare notre monde d'Oblivion. Ce que l'empereur vous a dit signifie que l'amulette est la clé de la défense de cette barrière. Ce que j'ai vu à Kvatch, d'après tout ce que je sais au sujet de la magie d'Edric, des portes aussi stables sont impossibles. Et pourtant, ces portes d'Oblivion existent bel et bien. Les vieilles règles ne s'appliquent plus. Kvatch n'est que le commencement de ce que Merun Dagon a prévu de faire. Si l'amulette est vraiment la clé de la restauration des barrières séparant notre monde d'Oblivion, vous ne devez pas perdre de temps pour la récupérer. Suite au prochain épisode, je crois que ça fait déjà une heure, si je ne m'abuse. Et c'est bien.